laver. C'est dégueulasse ton endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Non, il n'y a rien d'autre. C'est juste littéralement dégueulasse son endroit. Bleh. Pauvre Arbre, hein. Arbre qui doit tout sentir cette odeur de merde. Pas très très plaisant tout ça. Il va falloir le sauver, hein. Évidemment, c'est pas qu'il va mourir de vieillesse, non, non, c'est juste qu'il va mourir complètement d'intoxication alimentaire, hein. Même si c'est un arbre. Je sais pas si les arbres peuvent mourir d'intoxication alimentaire, mais je pensais pas, hein. Ah! Bon, ça sent le fake, ça. Après, les faux Jinjo, c'est les faux Jiggy. Quand même, pourquoi pas, hein. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de caché ici? Oui. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ici? Mario Bros! Trouvez Mario Bros, donc une autre easter egg, il y en a vraiment beaucoup. Je sens qu'on va en trouver extrêmement beaucoup. C'est ici, donc on a 50 qui sont récoltés. 51. Donc on a battu notre score. Donc si on a battu notre score, ça veut dire qu'on peut toutes les récolter de l'autre côté. Ça devrait être bon, le compte. Bon, on avait 50. Donc là, je sais que j'en ai récolté quelques-unes. On va essayer de bien faire attention à qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on n'a pas récolté. Puis par la suite, on va pouvoir se rendre à Hyrule. Pour pouvoir voir d'autres choses qui se cachent. Parce qu'il faut bien voir tout... Ah oui, il y a un truc qu'on peut démolir à la maison, j'ai oublié. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Puis que déjà, j'ai énervé complètement de poisson. D'avoir complètement oublié. C'est ici... à l'intérieur de la fontaine, est-ce que je suis allé depuis? Je pense que non. Donc là, il y en avait simplement 5. Et on les a récoltés, c'est bon. Pour tout ce que je voulais savoir là-dessus. Donc là, on peut descendre en bas de la fontaine. Hop! Ici, récolter ceci. Ça, c'est récolté. Ça, ici, non. Et en plus, on va pouvoir monter en haut de la maison, puisqu'en haut de la maison, il y a un truc à péter. Ici, on récolte des trucs. On traverse ici. Là, c'est Jinjo qui est là-bas, puis que je penserais pas qu'on puisse le prendre tout de suite. Ou du moins, j'ai aucune idée comment procéder pour le récolter. Ça, c'est la seule chose que je sais qu'on peut péter. Voilà. Panam, panam, pam. Est-ce qu'on peut briser les portes? Non, plus vraiment pas. Je pensais que si, qu'on allait pouvoir éventuellement, mais finalement, non, vraiment pas. Là, il y a un talent trap aussi, il faut pas un talent trap, mais plutôt un big jump. Je vais faire dans ma maison pour aller chercher un Jinjo. Pas l'oublier, hein. N'oublions pas ce petit Jinjo. C'est exactement ici. Hop. Par la suite, je sais pas où. Peut-être en haut de la porte? Oui. Ah, il y a un coffre. Ça veut dire que techniquement le coffre, on peut le péter. Non! Peut-être à la fin, hein. Ça semble être un coffre d'une grande importance. Il y a une triforce dessus. Ça peut pas être un vulgaire coffre comme les autres. Non, 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 non. C'est sûr et certain que c'est un des holy coffres. Donc là, j'ai récolté les Jinjo que j'avais perdu la dernière fois. Bah, perdu. Il faut que je récolte les Jinjo qui sont cachés. On va essayer de faire une pierre de coup. Bam! Voilà! Donc là, la seule chose, c'est que je dois pas rentrer tout de suite dans la forêt. Parce que si je rentre tout de suite dans la forêt, je perds toutes mes notes que j'ai récoltées jusqu'à maintenant. Donc en gros, faut pas que je m'y rentre tout de suite. Donc ça, il y a rien d'autre ici, normalement, non. Par la suite, en haut, non plus. Donc, peut-être là-bas, oui. Ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Ah, il y a un pad ici. Ah ah! Je fais vraiment exactement le même bruit. Ça me fait délirer. Hop! Et le Jinjo ici. Parfait. Donc, il manque juste un Jinjo qui serait caché quelque part. Je pensais qu'il aurait pu avoir des notes cachées comme dans l'autre jeu. Non, non, non. Rien de caché ici. Je sais qu'ici il y avait des notes. Hop. Mm-hmm.
m'en manque 13. 13 à récolter, moins quelques pièces ici. C'est pas des pièces, c'est des notes. Il m'en manque 10. J'entends le Jinjo qui est de l'autre côté. On le savait qu'il y en avait un qui était ici. Ah! Je pensais que j'étais sûr certain que je l'avais frappé. J'étais un ensemble gueulon, hein. Donc là, il y a un autre Jinjo qui est ici. Il manquait un Jinjo. Le Jinjo bleu, je l'ai pas vu. Depuis le début. C'est une pièce qui était ici, donc en gros. Il n'y a rien de spécial. Pas de crâne de Mambo. Il n'y a rien en particulier qui est ici. Non. On peut monter sur la structure qui est au milieu. Je suis prêt à dire non plus. Non plus. Il semble avoir rien de spécial à moins que je vois quelque chose particulièrement. Non. Pas d'emplacement. Donc là, il me reste 10 notes. Dans la fontaine, il n'y avait rien. Par la suite, cette maison, je l'ai fait. Ça ici, si je défonce ça, je suis prêt à dire qu'il n'y a rien de spécial de l'autre côté, c'est simplement la porte que je vais ouvrir. À moins que... À moins que... À moins que... El famoso Jinjo est de l'autre côté. Il va manquer... Oh! Là, il y a un coffre ici. Il va manquer 5 notes. Et je vais retrouver le Jinjo. Ok, donc là, il manque simplement 5 notes. 5 notes. Oui, j'appelle ça des notes. C'est pas vraiment des notes. Mais ça, si je comprends bien, en gros, on est juste ouvert à la porte. Il va y avoir un crâne de Mambo qu'il va falloir prendre de l'autre côté. Ah, il y a un petit coffre ici. Ah ah! Un autre crâne de Mambo. Qu'est-ce que tu me dis? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses de cacher, par exemple, ici? Semble-t-il que non. Excusez-moi. Mais il manque quand même 5 notes à trouver quelque part. Si je serais 5 notes, où est-ce que je me cacherais? Apparemment, je suis très perplexe. À moins que c'est dans le... Dans... le Deku Tree que j'ai manqué un truc. Parce que ça, c'est fait. C'est ici, y a rien. Ça, si je rentre ici, ça s'enlève. Donc, ça veut dire que c'est pas là-bas. Ah ah. Ici, rien d'autre de spécial. Non. Rien d'autre ici. Oh, excusez-moi. Oui. Ok. Je suis perplexe, là. J'aurais tiré sur les lianes, mais probablement que les lianes ne me donnent pas de notes. Donc ça, c'est sûr. J'ai fait toutes les lianes en haut. Ça devrait pas être une liane qui se trouve en haut. Ça non plus. Il y a des œufs en arrière. Mais par la suite, il n'y a rien d'autre. Je sais qu'il y a une liane qui est au milieu, donc en gros, ça se peut que ça soit peut-être celle-là. Je dis ça se peut, mais je suis sceptique un petit peu que ça soit... J'ai la vérité infuse avec ce que je viens de dire ici. Ah, ils sont vraiment trop loin, je peux pas me rendre jusqu'à... Au! Merde! Ce serait dans l'arme directement alors.
Oh, on peut monter jusqu'ici quand même. Quand même, cet écran-là, il était quand même bien caché. Hein. Donc on y pense quand même, il était bien perché quand même, assez loin. Ok, donc ça, on va voir ça. Ça m'aide pas plus. Là, ici, on a bien récolté tout ce qui était ici. Ça, normalement, il sort plus les ennemis. On est toujours dans le même monde. Ça, on a tout démoli ici, on a tout démoli ici. On a tout pété. Tout explosé. Plus rien. Techniquement, plus rien en haut non plus. Non plus. La porte qui était ici. Est-ce que je suis allé tantôt? Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Non plus. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est ici? Pokémon Snap? Non, Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie caché. Je suis complètement défoncé. Donc ça, il n'y a rien d'autre de spécial ici. Il y a peut-être quelque chose de caché de l'autre côté en arrière. Non plus. Peut-être que si je démolis cette petite plante, mais je pense qu'elle n'est pas... Non, je ne sais tellement rien. Ok, donc là, ici, il n'y a rien d'autre en particulier. Donc ça veut dire que je peux juste faire mon petit move prostrat pour pas te prendre des dégâts. Voilà. Même s'il faut que je remonte. C'était juste pour vous montrer un move prostrat. Un move de professionnel. Ok, donc là, ici, il n'y a rien de spécial. Ceci, c'est pour monter en haut. Rien de spécial non plus. Si on va ici. Est-ce que j'ai peut-être quelque chose de manqué ici? Non plus. Excusez-moi. Peut-être ici pour remonter. Non, ça c'est juste pour tirer. Ça par la suite, il n'y a rien d'autre en particulier. Non. Ok, donc l'arbre est littéralement fouillé de fond en comble. Fond en comble, plutôt. Donc ça c'est fait. Donc là, il n'y a vraiment plus rien ici. Genre, il n'y a littéralement plus rien que je peux trouver de plus. Ok, donc l'arbre, c'est check. Je suis vraiment perplexe. Parce que dans la fontaine, je l'ai cherché. Dans la fontaine, il n'y avait rien d'autre par la suite. Oh, oh. Oui. Non plus ici. Ok. Je commence à me poser des questions sur, sur mes méthodes d'exploration dans le jeu vidéo, parce que là, je sais pas trop, hein. Je sais que les Jinjo, je les ai tous, donc là, ça, c'est déjà quand même un point bonus que je peux me donner, même si c'est pas littéralement un point bonus. C'est plus une évidence, plutôt, par rapport à tout ça, hein, quand même. Mais là, attendez, je peux monter ici. Et l'autre ici. Ici non plus. Si on saute, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Ça, j'ai tout pris. On peut retourner peut-être voir dans la fontaine, mais... Je suis vraiment sceptique qu'il y ait un truc dans la fontaine. Techniquement, dans la fontaine, il y avait simplement ici. Et par la suite, il n'y avait plus rien. Je vois, s'en va de l'autre côté. On traverse ici. Techniquement, c'était juste des œufs qui étaient ici. Voilà. Bien intéressant. Ça, y a rien d'autre plus profond. Ok, je pense que les 5 notes... Wow, wow. Je sens que les 5 notes, on va abandonner le projet. Hein. Je sais vraiment pas son. Tu sais, d'habitude, je suis quelqu'un qui trouve
quand même bien les choses. Là, j'ai littéralement aucune idée. Okay. Ça, en saison, il n'y a vraiment rien de spécial, donc... Ok. Ok, mais non. Ça m'énerve. Et sérieusement, ça me fait bailler tellement que je suis perplexe à me demander si où j'ai laissé les trucs. C'est sûr que c'est probablement par l'arbre parce que la première partie qui est ici, c'est 50. Donc l'autre partie, ça devrait être 50. Bon, bref. On va quand même laisser ça à 95. On va aller chercher l'endroit qui était fermé. On peut traverser de l'autre côté et après, on va se rendre à Hyrule. Voir là-dessus, par la suite, donc c'était à gauche en premier. Right. Non, ça c'est left. Bob, tu dis n'importe quoi. Life, puis ta red. Ta life, left, left and right. Et là, paf! Coffre. Bam! Pièce de puzzle. Pouf! Ah. Je pensais l'avoir d'une meilleure façon, mais semble-t-il que non. Ok, donc on fait juste dire que le jeu va être plus compliqué par la suite. Pfff. Prenez pour qui? Prenez pour quelqu'un qui pense qu'on connaît pas les défis? Pfff. Prenez pour qui? Donc je regarde quand même en note. D'habitude, je suis toujours la personne qui fait vraiment à 100%, mais là, vraiment, on garde ça pour plus tard. Hein. Pour plus tard. Vous voyez que techniquement, de toute façon, dans la vidéo, je vais l'avoir faite. Je vais l'avoir récolté à 100% sans m'en rendre compte. Peut-être que non, peut-être que oui. Mais bon. Je verrais bien en plus un speedrun peut-être du jeu. Ça, on est quand tu commences à connaître le jeu vraiment bien là-dessus. Donc on se rend dans les Hyrule Field. Ah, la petite musique. Est-ce qu'on va parler Weeboo? Let's hurry, Banjo. Oh, il y a même une petite pancarte. Attendez. If I know anything about this place, there's an owl around here that talks to us for hours. Et oui, c'est exactement ça, c'est les hoobos qui nous parlent pendant des heures. Hein. Et c'est la dernière chose que je veux voir. Donc, oh, qu'est-ce qui est ici? Ah ouais, la petite pancarte. Quand même, c'est drôle. Hein. Donc, la forêt Gerudo, le lac Ilia, Kakariko et le Castle Town. Donc, on va probablement se rendre au Castle Town. Hein. C'est exactement ce qu'on va se rendre. Hein. Pam, 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 pam. Alors, elle est vraiment plus petite, hein, mais c'est quand même assez bien. Donc, ça, c'est le château qui est là-bas. Kakariko Village qui est ici. Et par la suite, t'es là. Ah, 640! Waouh, ok, c'est beaucoup ça. Est-ce que ça ici? Ça nous bloque aussi? Non! Ah, je viens de comprendre, c'est les espèces de soucoupes! Ah, j'ai compris à quoi qu'elles chambent les cheveux. Ouais, c'est les petits yeux. On va tout de suite se rendre au château, hein, avant de se rendre à Kakariko Village. Ah, ça, c'est la nuit qu'il faut que c'est... Ben, c'est vraiment un truc de nuit? Ok, donc là, en plus, il y a un taureau. Salut, taureau! Taureau, on peut pas le... On peut rien faire, hein. Donc, Kakariko Village, on va se revendre un jour, mais pas pour tout de suite. On prend des petites plumes pour voler. Attendez, juste voir un petit peu le château, il ressemble à quoi? Ah oui, il y a un truc grand qui est bloqué du château. Donc, peut-être qu'on va pas pouvoir se rendre tout de suite. Je pensais me faire toucher comme la merde. Est-ce qu'on peut monter sur les... Ah non, on peut pas monter sur les chaînes. On peut pas rentrer dans le château. Ok. Il faudra trouver une autre solution. Donc là, encore un truc de la nuit. Plusieurs trucs de la nuit qu'on peut s'y rendre. J'aime bien la musique. Surtout l'espèce de... d'effet folklore qui est vraiment plus cool, la musique. Donc on monte ici. Ça, non, y a rien de spécial, mais on peut aller sur le côté ici. Ha! Ha ha! Vraiment, je fais exactement le même bruit, c'est littéralement hilarant. Ok, good job, keep going. Ok. Do you think we'll get Banjo Tree someday? Est-ce qu'on va avoir Banjo Tree un jour? De savoir notre chance d'avoir un jeu mobile et un Footloops.
trop bien, trop bien. Donc en gros, ils nous disent d'utiliser nos GGF Time tout simplement pour unlocker une nouvelle zone. Donc, check the number of the corner. Donc en gros, c'est 2. Donc parfait, on a assez tout simplement pour pouvoir les utiliser. En gros, on utilise A pour les utiliser. Open those pieces stuck there for good. Donc en gros, on va quand même utiliser les deux. Oh, le bruit. On peut rentrer dans le Castle Town. Woo! On peut rentrer maintenant dans le village. Plutôt dans le village du château. Hein. Donc merci, 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 merci. On va pouvoir s'y rendre. Même là-dessus. Donc je trouve ça bien en plus qu'ils gardent l'espèce de principe de devoir prendre les pièces de puzzle pour pouvoir débloquer certaines zones. C'est vraiment cool. Parce que ça aurait pu être juste des niveaux après niveaux, mais là c'est vraiment de prendre le principe même d'ouvrir le niveau. C'est exactement ça quoi. On peut prendre le petit trophée et se rendre à Castle Town. Les 5 pièces, pas les 5 pièces, mais les 5 notes de musique sont gravées dans ma mémoire.